Eh bien, salut à tous, c'est les dires du gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est sur Farming Simulator 2014 sur téléphone. Donc je vais faire la présentation de mon matériel Farming Simulator, que j'ai sur le truc, quoi. Donc, attendez, je prends le... parce que j'ai fait des notes pour... Donc voilà, donc le tracteur numéro 1, c'est le tracteur de base, quoi. Donc voilà. Donc c'est le Linder GeoTrac 94. Donc il va pas très vite, mais bon, ça va pour le moment. Donc après j'ai un Lamborghini R4.110 Italia. Donc il va à 40 km/h, ça va, c'est pas trop mal. Donc attendez, voilà, la batteuse, j'ai une Phare M66. Donc c'est la celle de base encore, je ne l'ai pas changée. Donc voilà. Donc là on va aller prendre. On va prendre quoi? La charrue. Hop, on va commencer par ça. Voilà. Voilà. Donc ma charrue, on va la déplier. Pour voilà. Donc ma charrue, c'est une Arch Terono 6FM. Donc ce n'est pas celle de base, j'ai vendu l'autre et j'en ai racheté une meilleure, elle était mieux je trouvais celle-là. Donc voilà, donc on va, hop, on va déplacer, hop, non, pardon, on va décrocher, hop, voilà. Donc le semoir, alors, donc je les ai un peu serrés mais bon, j'aurais pas dû faire ça, les serrer trop. Donc voilà, donc mon semoir c'est le Pointinger Vitasum 302. Donc c'est le premier, il me semble. Attendez, ah non mince, je me suis trompé, c'est pas le semoir ça, excusez-moi. Non, le semoir il est là, excusez-moi. En fait, je me suis trompé. Ça c'est l'épandeur. Donc voilà, mon semoir c'est celui de base. Donc c'est le Pointinger Vitasum 302. Donc voilà, c'est celui-là. Excusez-moi de m'être trompé, voilà. Donc c'est celui de base. Donc avec celui-là, on va attendez. Je crois qu'on va à 10 quand il est en marche. On en a 15. Donc voilà. Alors, maintenant, on va prendre épandeur, voilà, celui que j'ai pris tout à l'heure. Donc, je vais pas les tester tous. Hein. Donc, mon épandeur, c'est le Amazon Zox. Donc, c'est celui de le premier, j'ai pas pris l'autre. Mais je m'en sers pas beaucoup. Donc, voilà. Ce sera tout pour celui-là. Après la faucheuse. Elle est où? Elle est là. La faucheuse. Donc c'est celle que j'utilisais dans le champ d'herbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo. Donc la faucheuse, c'est la Pointinger Euro 4 315H. Donc c'est celle de base, la première. Enfin, il n'y en a qu'une de toute façon, je crois. Donc voilà, excusez-moi d'être allé dans le champ. Donc voilà, pour ce... Hop, pourquoi je me trompe? Donc après, la faneuse. Elle est là, voilà. Enfin, je savais qu'elle était là, mais je sais pas trop le sens. Voilà, on s'est écarté. Donc c'est la première, j'ai pas pris les autres. Donc c'est quand je l'ai acheté mon champ d'herbe, j'ai pris directement celle-là. Donc voilà. Après la faneuse, c'est la presse à balles. Hop. Ah oui, la faneuse, excusez-moi, j'ai pas dit. La faneuse, c'est la Phare KH4S. Donc c'est celle-là, celle de base. Donc voilà. Donc on va prendre la presse à balles.
Donc la presse à balle, c'est la simple, enfin la normale. Donc c'est la Knone Big Pack. Donc voilà. Hop, on va la décrocher. Et après on prend l'arc. Oui, le ramasseur de ballots de paille, quoi. Pour ramasser les bottes. Alors il est où? Il est là. Hop, donc voilà, c'est l'Arcusin Autostack FS63-72. Donc il est pas mal, je trouve. Mais c'est le seul qu'il y a dans le jeu, donc du coup il risque d'être bien. Donc après, on va finir avec l'armor. Donc c'est celle de base, c'est la première qu'on a, j'ai pas voulu changer. Je trouvais que ça servait à rien d'en prendre une plus grande. Donc c'est bon, j'ai trouvé comment avoir du lait, j'ai trouvé comment faire, enfin voilà. Donc en fait il fallait plus de ballots de paille. Donc voilà, donc la remorque c'est la Chrome Humsland, donc c'est celle de base comme je viens de dire. Donc voilà. Donc aussi les amis, j'ai commandé alors une manette pour mon PC pour jouer à Farming Simulator 2017. Et après j'ai aussi commandé une souris pour jouer avec. Donc, enfin, une souris pour le PC, bien sûr. Donc, hop, on va changer. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. Donc, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Donc, mettez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous et à la prochaine. Salut!